Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver eh bien, pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 13 mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. On va continuer avec ce magnifique oracle, la fleur de vie, n'est-ce pas, pour s'épanouir jour après jour. Et c'est la fleur de vie est le symbole, n'est-ce pas, le plus accompli de la géométrie sacrée, si vous ne le savez pas. Cette fleur de vie, eh bien, elle nous aide à recréer l'ordre naturel, aussi bien dans notre for intérieur que dans notre entourage. Elle nous rappelle que nous faisons partie de la création divine, toutes et tous, et que nous sommes tous et toutes en relation les uns avec les autres. Et on terminera avec le petit oracle des couleurs. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers. Et grâce à la fleur de vie de cet amour inconditionnel, eh bien, les ondes de cet amour vont maintenant être dirigées vers toi. Tu seras complètement entouré par cette belle énergie unique et universelle. Et chaque fibre de ton être tout entier en sera submergée. Par la force de cet amour, tu te transformeras toi-même en amour. Et puis, tu le propageras partout, où que tu sois, quelle que soit ta route, n'est-ce pas, et sa destination, tu seras comblé par cet amour qui ne posera aucune condition, qui existe tout simplement. L'amour sans attendre. La fleur de l'amour inconditionnel ouvrira un champ énergétique tout autour de toi, qui te viendra en aide pour sauvegarder cette fréquence énergétique élevée, aussi bien dans ton aura, n'est-ce pas, que dans tes cellules les plus profondes. Tu seras toi-même l'incarnation de cet amour inconditionnel. Alors, savoure cette belle énergie positive qui submergera tout sur son passage, car là où l'amour résiste, n'est-ce pas, il n'y a plus de place, ni pour la peur, ni pour l'ombre. C'est la lumière qui brille. Tu es la lumière de l'amour, l'ambassadeur de l'amour ici-bas sur cette terre. Alors, on t'invite à la répandre généreusement, car plus tu en diffuses tout autour de toi, eh bien, d'autant plus d'amour se déversera également dans ta direction. Vous savez, encore une fois, qu'on récolte ce qu'on sème. Alors, semer de l'amour inconditionnel sans attendre quelque chose de l'autre, c'est magnifique ça. C'est pur, c'est sain. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'un petit défi. Eh bien, aujourd'hui, ce sera cette fleur de l'amour inconditionnel. Vient à ton secours pour certains d'entre vous pour identifier les cas où tu soumets ton amour
encore à trop de conditions préalables. Pourquoi soumets-tu cet amour avec des conditions? Tu interromps le libre cours de l'amour à chacune de tes restrictions, n'est-ce pas? Pourquoi? Alors développe le courage d'aimer tout simplement, sans discuter, sans discussion, grâce à cette carte amour inconditionnel. Et puis, ressens que l'énergie incroyablement merveilleuse de l'amour envahit ta vie tout entière. Entre dans le fleuve de la confiance. Tu le mérites. Tu le mérites amplement, ce grand amour. Ta vie aussi en sera inondée. N'aie plus peur. Ne laisse pas cette ombre t'envahir. L'amour, c'est la lumière. Et avec l'amour, on obtient tout. Quel beau message pour commencer cette semaine. On termine avec l'oracle des couleurs. Alors là, je vais piger une carte. Voilà. Bleu poudré. Ah, moi j'aime tous les parfums poudrés. Et la couleur poudrée, c'est magnifique. C'est un bleu poudré. Et le message, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Eh bien, sur cette belle phrase, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.